si elle avait eu des impacts positifs il y a longtemps, que cette crise aurait été résorbée, alors qu'elle ne fait que se prolonger, comme si on avait la sensation que l'armée française tirait profit quelque part de la durée de cette crise. Nous, nous partons du principe qu'une armée qui n'a pas été capable, partout où elle est allée, de mettre fin au conflit ou de mettre fin aux crises, et qui au contraire a contribué à la création de cette crise, ce n'est pas une armée sur laquelle on peut compter pour résoudre la situation sécuritaire au Mali. Dès lors que les autorités françaises prennent autant de mesures coercitives, font autant de pression sur nos gouvernements locaux pour qu'on puisse réprimer nos mobilisations, cela montre que les autorités françaises ont peur. Et quand la peur est présente, c'est que la peur change de camp. Auparavant, c'était nos populations africaines qui étaient apeurées, qui étaient terrorisées, qui étaient réprimées, qui étaient opprimées par le système néocolonial. Aujourd'hui, la nouvelle génération n'a plus peur de rien du tout. Moi, vous me mettez en prison à 4 reprises, je ressors toujours plus fort. Vous me diabolisez, je souris. On me persécute, je souris toujours. Nous sommes debout, nous n'avons peur que de Dieu, nous n'avons peur de personne, nous n'avons pas peur de la France. Nous mettrons la France-Afrique à terre pour le bien-être des Africains et pour le bien-être aussi des prolétaires français, parce que cette problématique n'est pas une problématique de couleur, c'est une problématique d'oppression vis-à-vis des peuples dans leur globalité. La seule monnaie éco qui sera bénéficiable pour le continent africain, pour les pays d'Afrique anciennement de la zone franc, c'est l'éco de la CEDEAO. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a piraté le projet éco de la CEDEAO, a maquillé le franc CFA, a enlevé les comptes d'opération, certes, mais a maintenu l'arrimage à l'euro et le taux de change fixe. Et ça, ça n'arrange pas notre dynamique, puisqu'on sait que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Et cela anéantit tout processus de compétitivité. Donc le combat continue. Nous nous battrons jusqu'au bout contre la monnaie éco, qui n'est qu'un franc CFA déguisé. Aujourd'hui, les gens disent que éco, c'est l'acronyme de Emmanuel Command Ouattara. C'est ce que nous pensons véritablement. La France et l'Afrique, l'oligarchie française à travers Emmanuel Macron, l'oligarchie africaine à travers Alassane Ouattara, ce sont deux facettes d'une même pièce qui essaient d'asphyxier nos peuples, mais cette plaisanterie sera tôt ou tard terminée, même si nous devons en perdre la vie plus que jamais. L'armée malienne puisse être à égalité des chances que les autres armées, parce que quand vous voyez les soldats maliens, ils ne sont pas moins forts que tous les soldats qu'on peut voir aux quatre coins du monde. Simplement, ils sont sous-armés, on leur donne beaucoup moins de moyens qu'on en donne à beaucoup d'autres, parce que ça arrange ceux qui veulent la déstabilisation de nos États. Il est important qu'il y ait un travail qui soit fait à travers nos institutions, prétendument parlant continentales. Et là, je m'adresse à Félix Tshisekedi, qui va être le président de l'Union africaine. Il est temps que le dirigeant de l'Union africaine prenne ses responsabilités et comprenne que quand un pays africain est touché, c'est toute l'Afrique qui est touchée. Et qu'on arrête de faire la manche vis-à-vis d'autres nations étrangères qui ne convoitent qu'une seule chose. Ce n'est pas le bien-être des Africains, mais les ressources africaines de manière générale, quelles que soient ces puissances étrangères. Nous, nous voulons ce que la CEDEAO voulait depuis le départ, à la base, contrairement à l'UMOA. Nous voulions une monnaie à taux de change fixe, à taux de change flexible, excusez-moi, arrimer un panier à devises pour s'adapter aux différentes variations de l'économie en tant que telle. Et si vous voulez une finalité réelle, nous, nous sommes dans la logique du dinar or de Muammar Kadhafi, qui nécessite une réappropriation de nos ressources en tant que telle pour pouvoir adosser la nouvelle monnaie, le nouveau système monétaire aux ressources qui sont les ressources africaines de manière générale. Mais ça, ça nécessite un travail de fond sur le terrain néocolonial, détruire le néocolonialisme en tant que tel, pousser à la souveraineté aussi sur le terrain des réappropriations de nos ressources. C'est un travail de longue haleine et donc en tant qu'étape, la monnaie taux de change flexible arrimée à un panier à devises nous paraît être la bonne étape transitoire.